là, on est arrivé à Lurie des Mares. Là, on est à l'hôtel, le premier hôtel qu'on a réservé. C'était pas prévu du coup qu'on aille à Lurie, mais voilà, on n'a pas eu d'autre choix par rapport à notre transport, etc. Donc, on a préféré réserver au dernier moment ici. Et puis après, demain, on enchaînera à Blanes. Et à Blanes, par contre, je vais vous montrer tout. Là, l'hôtel, il est pas hyper ouf, mais potable quoi. Je pense que ce soir, on va manger dehors. Je me passe un petit peu de crème solaire parce que du coup il fait hyper chaud et j'ai pas envie d'avoir plein de petits points noirs ou des taches ou quoi que ce soit, du coup je me mets un peu de crème et puis voilà, je suis dans la salle de bain et puis on va aller se balader et puis je vous laisse regarder la suite. Par contre j'ai des cernes, mais j'ai des cernes de fou malade parce qu'en fait hier on a fait une étape par Toulouse. Si je vous explique bien dans l'ordre chronologique des choses, on est parti de Limoges, on est arrivé à Toulouse. Toulouse, on a visité tout ce qu'il y avait, on a regardé, on a mangé et tout avec un ami à nous. On est parti se poser près de la Garonne. Enfin voilà, on a vraiment bien profité. Après le soir, il y a des amis à nous qui nous ont un petit peu chauffé, donc on est sorti et on est rentré à 3h du matin. Ensuite, on a enchaîné tout le transport pour aller en Espagne. Donc je vous dis même pas les cernes que j'ai sur la figure. Mais c'est des bonnes cernes, c'est des cernes qui montrent que je profite de ma vie. Non, franchement, c'est cool avant de reprendre le boulot et tout. Donc voilà. Là, vous avez le premier hôtel. Franchement, je vais vous dire la vérité, je suis pas hyper fan. Je dis doucement, mais pas très fort. J'attends juste le deuxième logement dans lequel on va être. Ça va être ouf. J'avoue que j'ai pris tout ça au dernier moment et tout, donc j'ai pas trop calculé. Donc là, on visite un petit peu les ruelles. On essaie de se refamiliariser avec Lurie. Après c'est vrai qu'il y a pas mal d'étrangers, vous allez pas voir pas mal d'Allemands. Et moi perso je trouve qu'il y a très peu d'Espagnols. Nadie me dit que non, que c'est juste qu'ils parlent pas et qu'on les entend pas. Bon les gars, je suis en mode grosse touriste avec ma casquette. Regardez comment je brille. Et j'ai une casquette hein. Mais là du coup programme, on va aller chercher à manger. On va chercher un truc à manger. On avait vu quelques trucs qui nous intéressaient. Bon, bah, du coup, on a décidé de manger un repas très traditionnel d'Espagne, le cevoué. Parce que Daddy, il adore les trucs très traditionnels qui viennent du pays. Parce que les tapas, c'est pas assez traditionnel. Du coup, il a préféré prendre un sandwich que l'on trouve partout en France. Donc, qu'as-tu à nous dire? Bon appétit. Monsieur a pris ça avec moi et on a hâte de goûter. C'est le chocolaté Tentacion. C'est notre chocolaté. Donc là, on prend le petit déjeuner. On prend le petit déj et ensuite on part faire nos affaires pour déposer les clés et partir à Blanes. Donc là on va aller au jardin botanique. On a pris un premier transport. Un petit peu au feeling, mais bon, j'espère qu'on va arriver à temps. Regardez les gars, là on est en train de monter pour aller au niveau du jardin botanique. Et déjà la vue elle est trop belle. Par contre les escaliers qu'il y a, voilà, en plus sous le soleil. Donc on a marché quand même 20 minutes je pense, en plus. Mais j'espère que ça vaut vraiment le coup, c'est vraiment trop joli. Alors là, ici vous allez avoir le plan du jardin. Thank you.
franchement, on était déter, on est venu à pied jusqu'au jardin. Et on a décidé de prendre le petit train pour retourner au centre-ville. Donc du coup, ça nous a fait 2,50€ pour chaque billet, donc 5€ pour nous deux. Je vous fais le calcul. Dadi, je te laisse présenter ce qu'on a appris. On a appris quoi? On a envie d'entendre ton accent espagnol. Allez! Vale, vale. Ça, c'est des. C'est la calamar. Calamar à la romanesque. On est à la plage, enfin, ça fait tellement plaisir et du bien aux pieds. Et bien, très 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 froide. Et bon, au niveau des pieds, bon, ça va, mais je sais pas si je vais me baigner tout de suite. Donc, quoi qu'il en soit, de toute façon, nous, notre hôtel est en face de la plage. Hein, donc, si on a envie de se baigner demain, après-demain, même ce soir, faire un petit tour sur la plage. On va pas du tout hésiter. Je vous donnerai, si vous voulez, le nom de l'hôtel, si vous le demandez en commentaire. Et puis voilà. Bon, les gars, donc du coup, on est rentré dans l'hôtel. Je suis désolée, après, peut-être que vous voyez, c'est les toilettes, genre. Mais voilà, on est rentré. Donc, chambre numéro 900 et quelques, là. 9e étage, salle de bain. Ensuite, là, vous avez tout ce qui est cuisine. Vous avez des rangements ici avec la couette à l'intérieur et puis meubles et coffre-fort. Un espace où on fera nos courses probablement. Et puis le must du must. Donc un espace aussi pour manger, etc. Et la plage! Mais incroyable! Wow, je suis trop contente. C'est la seule chose que j'attendais. Normalement, de base, on était censé rentrer à... À quelle heure? À 16h. 16h30, on n'y était toujours pas parce qu'il y avait tout le monde. Il y avait beaucoup de gens au niveau de la réception. Mais là, c'est bon, on est enfin arrivé à destination. Donc là, on est parti dans un supermarché pour aller acheter un petit peu de courses, puisqu'en fait, on est dans un studio. Donc du coup, on a une cuisine et on peut largement cuisiner ce qu'on veut à l'intérieur. Donc là, on va préparer à manger pour ce soir. Je vais faire du blanc de poulet avec plein de choses que j'ai achetées. On va faire des faritas, mais avec du blanc de poulet. Et on a acheté quelques épices et tout. Et puis on va manger. J'ai pris une pastèque. On a pris de quoi faire le petit-déj aussi. Et puis voilà, on va manger tranquillement ce soir. Et puis voilà. Coucou, donc là nous allons à l'aquarium de Barcelone. On a notre ticket ici dans le bus. Il faut toujours les masques, donc si vous partez en Espagne, n'hésitez pas à prendre plein de masques parce que ici c'est toujours d'actualité. Voici cette magnifique vue, incroyable. Donc là, on va arriver au niveau des guichets de l'aquarium. On va prendre nos tickets et puis on pourra du coup rentrer pour commencer la visite.
a décidé de manger ici. Et on va vous dire si c'est bon. Et comme on a notre habitude, on a pris du Fanta. Et puis voilà. Okay. Alors, il y a Daddy qui a demandé un œuf dans le burger. Regardez où ils lui ont mis son œuf. Il lui dit, mais l'œuf. Ah, qu'est-ce qu'on a pris comme burger, c'est quoi? Je sais même plus ce qu'on a pris comme burger. Bon, là je vais me réveiller, c'est notre avant-dernier jour et puis voilà, je profite un peu, j'ai le vertige quand je regarde ça comme ça. Et c'est vraiment incroyable. Que j'ai pris en guise de parasol. De base, je devais en acheter un à Centre Accor avant de venir ici, mais il était hyper grand. Donc du coup, je l'ai pas pris parce qu'en plus, on venait en voiture, c'était un covoit. Bref, la meuf, elle avait plein de trucs dans sa valise, dans sa voiture, et je voulais pas trop en rajouter. Après, on a vu d'autres parasols pas trop loin de la plage, mais c'est le même problème, enfin faut le ramener après parce qu'on l'aura acheté, donc il faudra le ramener en France. Donc j'ai préféré prendre une serviette en guise de parasol et c'est plutôt aussi pas mal hein. Donc là du coup on est en train de réserver pour le jet ski. Donc on sera bien 30 minutes pour deux personnes. Ah, il y a même le truc tracté. Aujourd'hui, si vous voulez, offerta aujourd'hui, si? C'est payé 125 euros. Tenez un jet ski pour 30 minutes, con photo incluée, et après un tour en les sofas, en les bananes, en les râpes, si vous voulez. 125. Donc là, on va faire notre fameux jet ski dont je vous parle depuis qu'on est arrivé avec. Une des trois activités qu'il y a ici, il nous a fait une Operta MDR, mais ça reste toujours aussi cher. Donc on attend que le bateau arrive et puis on pourra commencer notre activité. Ok. Non à la plage, non à Ibiza, ok. Si vous ne respectez les distances, là-bas, il y a la plage, mojito, extractivo, pero no aquí lo mismo. ¿Ok? Ok. Perfecto. Là du coup on quitte le logement, on a rangé un petit peu, récupéré nos affaires et puis du coup là on s'en va. Il est midi et donc du coup on va aller se balader un peu, aller à Lioré et puis rentrer sur les images. Donc là, on est parti dans un resto qui s'appelle Texas Ranch Steakhouse.
Donc avant de partir, on va se manger un petit truc quand même. Parce que de base, on était dans un parc. Je me suis dit, ça serait quand même pas mal de bien clôturer les vacances avec un petit resto sympa. Et donc du coup, on est parti manger ici avec petite vue sur la mer. Donc voilà, voilà. Je filmerai le repas. Et voici donc côte de porc avec des frites et un filet de poulet avec des frites. Voilà, voilà. Bon appétit à nous. Et voilà, donc là ce vlog va se terminer bientôt parce que là on est sur le retour. On a quitté Blanes et on est arrivé à Lloret del Mar. Et on a notre Flixbus qui arrive à 23h à Lloret, ensuite qui nous dépose à Toulouse, et de Toulouse on prendra un train pour nous amener jusqu'à Limoges. Ça semble long, mais comme c'est de nuit et en début de matinée, ça va passer, je pense, probablement vite, parce qu'on compte dormir, et puis voilà. Bon, avant de partir, on a décidé de passer dans un... C'est pas un casino, c'est un truc de jeu, une salle de jeu. Une salle de jeu, un casino, tout. Ça avait des autos tamponneuses. Je suis à l'étage, vous avez d'autres activités. Vous avez tout ça. Et puis voilà, ambiance un petit peu boîte de nuit, c'est un peu bizarre. Bref, vous avez pas mal de choses. Je sais pas moi, 15, et le minimum ça commence à 90, donc je vous fais pas les calculs, mais je pense qu'il faut jouer quand même à pas mal de jeux pour avoir des lots. Déjà un stylo c'est 90. Là c'est de la maille les gars, on est en train de casser le casino, regardez. Là on a trop d'argent, mais on va rester vivre en Espagne, on retourne pas en France. Du coup on est parti sur la plage après le petit casino et je vais vous montrer le prix qu'on a gagné. Franchement je suis tellement impressionnée quand même par tout ce qu'on a fait. On a eu le meilleur prix qui existe, qui n'a jamais été donné dans ce casino. Et je vous le montre. Oh, il est pas trop cute. Trop mignon. En fait, c'est moi, c'est une représentation de moi-même, c'est mon fils. Et donc, du coup, j'ai décidé de l'appeler Bébé Jacques. Voilà.